Oui, moi-même, c'est Jean-Yves Saint-Il, c'est censeur du lycée national de Petit Trou-Denis. Le directeur n'est pas là, il est à Miragouane, justement pour une planification pour l'école. Donc, l'ICA, il est fondé en 92. L'année dernière, nous fêtons 25 ans. Nous avons 25 ans d'anniversaire, donc nous fêtons 25 ans l'année dernière. Et puis, bon, effectivement, ici, nous avons effectif de 621 élèves. Donc, 621 élèves qui répartis comme suit. D'abord, répartition. Hein. Nous avons 360 filles et nous avons 292 et garçons. Donc, ça, c'est effectif que nous gagnons actuellement dans le lycée. Donc, lycée, comme nous fonctionnons, nous fondé en 92, mais c'est un lycée qui était fondé, qui a fonctionné dans le local ça, en double vacation avec l'école nationale. L'école nationale là, était là, et puis lycée a été fonctionné dans l'après-midi, pendant que l'école nationale a fonctionné dans le matin. Mais avec. C'était sous le gouvernement prévalent. Donc, tu construis une autre école nationale. Et l'école nationale, là, du côté de Gardère. Lycée a bien occupé le local, ça. Mais maintenant, nouveau local lycée est en construction. Donc, on pensait que l'étape finie année ça. Comme des fêtes, tu te dis que en septembre, nous allons la donner. Mais malheureusement, la construction a été campée. Mais ils sont en phase qui vraiment avance. On espérait dans les jours à venir. Donc, nous allons aller dans le nouveau local lycée. Et puis, bon, effectivement, bon, ici, en lycée, par rapport à l'accessibilité pour les élèves, la zone dans son zone qui est vraiment enclavée, la section communale, il y a des difficultés parfois pour que nous atteignions le lycée, surtout l'elle fait la pluie, c'est l'état où tu n'es pas trop praticable. Donc, ça vient permettre que, depuis une saison pluvieuse, ça permet que l'école, donc Timoun, n'est pas vraiment trop régulier en ce sens. On n'a pas besoin d'effectifs réduits dans la période pluvieuse. Par exemple, la semaine dernière, là, on a la pluie. Bon, nous avons vendredi, nous avons réuni avec peut-être 20% d'effectifs. Parce que c'est des difficultés qui permettent que nous ne pas fonctionner lorsque il y a la pluie. Et surtout, si pendant la fonctionner, la pluie a tombé, nous ne pouvons pas fonctionner. D'ailleurs, elles sont converties en tôle. Donc ça, c'est des difficultés que nous avons par rapport avec et pour le fonctionnement lycéen. Mais après quoi, donc, nous avons 19 personnes comme personnel, direction lycéen qui est directeur là, qui est moi-même comme censeur, et puis nous avons madame, c'est la secrétaire, le surveillant général et un professeur suppléant. Et après, nous avons 14 professeurs. Donc, nous fonctionnons de 7h à 1h après-midi. Donc en fait, c'est pas qu'on ait signe comblé à tantôt. Oui, oui. Qui défi ou gagne, on dit c'est question de édifice là, quoi oui, comparer. Effectivement, Jean Doula. Et donc nous espérons, nous te quoi que nous avons gagné nouveau local là dans début année prochaine. Là, comme c'était prévu, mais malheureusement, semblait c'est difficile. Donc c'est une grand défi que nous gagnons. Et surtout, j'en ai dit, nous, le problème que nous gagnons encore, c'est par rapport avec les élèves, surtout les élèves dans la saison pluvieuse. Donc, il est difficile pour les élèves à atteindre l'ICA par rapport à l'enclavement qui gagne dans la zone. Et est-ce que tu es capable de parler un petit peu de zone? Non, c'est seule l'école qui gagne ou nous dans l'école primaire tout? Non, nous gagnons. Alors, il y a plusieurs écoles. Pour l'école secondaire, il y a 3 écoles au secondaire. Dans la ville là qui alors qui pas trop près nous mais à quelques mètres. Nous gagnons également pour l'école nationale, nous gagnons l'école nationale et puis et dans l'école secondaire yo mix yo gagnons alors on me dit de préférence si tu as dit mix c'est garçon à fille mais yo fonctionner yo gagnons l'école yo gagnons primaire et yo gagnons secondaire donc nous gagnons plusieurs écoles dans ce sens. Ok, et nous, c'est une ville là qui a une bibliothèque. Parmi presque toutes les villes nous visitons, et petit tout, c'est une qui a une bibliothèque. Oui, nous avons une bibliothèque dans la ville là. Donc, PDGA,
c'est Clément Benoît, donc qui côté non Daniela Ferrière, donc il y a quelques mètres de lycée. Donc si nous faut fréquenter le tout, donc ça fait nous un plaisir que nous gagnions une bibliothèque dans la ville. Est-ce que nous gagnons un ordinateur dans l'école là ou oui, sinon là? Nous gagnons 10 ordinateurs. Donc nous avons l'électricité. Nous avons un laboratoire, non, mais malheureusement, nous n'avons pas d'électricité, mais nous avons un Delco, nous avons fonctionné, nous avons assez bien pour nous fonctionner. Nous avons un laboratoire. Oui, nous avons un laboratoire. Et ok, est-ce que je peux faire des photos? Et laboratoire? Non, et ça, le ordinateur là. Oui, bon, nous permettons de faire ça. Ok, merci beaucoup. Donc, nous avons pris une interview, monsieur, madame ou pas, bon nom? C'est Madame Jean-Baptiste. Madame Jean-Baptiste. Merci beaucoup. Merci pour l'interview. Merci. Merci, ça a été un plaisir.